Et salut tout le monde, c'est Chirelle, on se retrouve donc pour un live assez particulier qui me fait sourire, mais à la fois qui est pff, saoulant et euh, qui confirme un petit peu euh, ce que je pensais hein, de la mentalité euh, qui règne dans les Sims 4. Donc euh, voilà, le titre c'est « Attaqué sur ma chaîne YouTube par une youtubeuse pour droit d'auteur ». Alors, qu'est-ce qui s'est passé Franchement, j'ai halluciné, j'ai cru à une blague mais non, ce n'était pas une blague. Euh, donc euh, voilà la petite anecdote. Il y a deux, deux mois de ça, euh, sur ma chaîne YouTube, si vous vous rappelez, en live, sur Twitch, je vous avais présenté euh, des modes euh, pour améliorer votre gameplay. Euh, que je, vous avais montré comment, je vous avais montré comment les télécharger. Je vous avais montré ce que c'était. Et je vous avais montré en live. En présentant la youtubeuse concernée, euh, ça lui a fait un petit peu de pub, euh, mais bon, apparemment la demoiselle euh, se croit déjà une grande youtubeuse, une grande star, mais bon, ça c'est un autre problème. Je citerai pas son nom, ça n'en vaut pas la peine. Mais euh, donc j'avais montré euh, la vidéo qu'elle avait faite euh, sur sa chaîne YouTube, donc on voyait bien son nom, on voyait bien. Que c'était elle qui parlait et non moi. Et euh, j'avais bien précisé que euh, c'était la chaîne de cette personne. Or, qu'est-ce qui s'est passé euh, Aujourd'hui, en me connectant, euh, je me retrouve avec une un mail de YouTube pour une atteinte aux droits d'auteur euh, monétisée, c'est-à-dire que la personne demandait euh, de l'argent en dédommagement. Or, ma chaîne YouTube n'est pas monétisée comme celle de Twitch. Et vous savez très bien que sur YouTube, je ne fais que reposter mes lives de Twitch. Donc voilà. Enfin, ça, c'est la petite aparté. Donc, euh, je me suis dit, bon, allez, encore un jeu où euh, la musique ne passe pas. Ou, euh, euh, comme dans beaucoup de jeux, quand on fait un live, il euh, y a des moments où il y a de la musique. Et il... Euh, après, au niveau de YouTube, surtout, euh, il y a des fois des coupures de son euh, pour, pour des droits d'auteur. Bien qu'on possède le jeu et qu'on n'y est pour rien, dans les Sims, c'est pareil. Quand ils vont en boîte de nuit, etc., euh, vous avez euh, la musique qui passe, ben, ou la musique qu'ils écoutent à la radio, et pop, vous vous retrouvez avec des droits d'auteur, mais c'est jamais rien de méchant. Mais là, la demoiselle a poussé le steak un peu loin, c'est-à-dire qu'elle a demandé d'être euh, dédommagée, voilà. Tout simplement parce que sur un live, je lui ai fait de la pub par rapport à sa chaîne, en montrant sa chaîne, en montrant son nom, en la citant euh, et en vous proposant et en vous montrant, comme je fais souvent quand je trouve dans différents jeux euh, sur YouTube euh, des personnes qui ont fait euh, des, des, des vidéos ou des choses intéressantes, je vous les partage, ça permet de vous les faire connaître et en même temps de, de tout simplement vous montrer des choses que j'ai découvertes moi via ces youtubeurs là. Et donc, euh, voilà, donc je me suis connectée sur ma chaîne YouTube un petit peu en me disant, bon ouais, c'est quel jeu Ou c'est qu'il y a euh, de la musique qui a pu gêner, mais je m'attendais pas du tout à ça. Et euh, lorsque je suis arrivée sur ma chaîne YouTube et que j'ai regardé la vidéo concernée, donc c'était le live que j'avais fait avec vous où je vous présentais euh, ben, euh, ces modes-là. Donc euh, j'avais deux solutions, soit payer la demoiselle, hein, soit euh, attendre que la vidéo soit supprimée, enfin le live soit supprimé par YouTube lui-même, euh, et après euh, j'aurais eu des dommages et intérêts à payer apparemment d'après ce qu'il y avait écrit, soit la supprimer de moi-même, bah, évidemment que je l'ai supprimée, euh, je ne vais sûrement pas donner de l'argent à une nénette. Euh, D'autant plus qu'elle euh, ne m'a même pas contactée personnellement. Euh, je ne comprends pas trop cette mentalité. Cette personne en plus n'est qu'une copie conforme d'une autre youtubeuse euh, qui apparemment elle ne lui fait pas de problème. Mais bon, ça après c'est une question de mentalité et surtout euh, comment dire de maturité. Euh, là, franchement, je suis sur le cul. Vous savez tous déjà qu'au niveau des Sims 4, ce que j'en pense, moi, je ne fais que des challenges. Euh, donc, euh, pff, euh, franchement, ça m'a scotché de voir une mentalité comme ça. Je savais déjà, et on en a assez parlé ensemble, euh, qu'il y avait une mentalité de merde. Excusez-moi le terme, mais merde et dandico, ce n'est pas un gros mot y euh, avait une mentalité de merde au niveau de la communauté des Sims 4, et je vois que ça continue. Alors, je, la demoiselle euh, dont je ne citerai pas le nom, déjà, euh, si, si vous ne voulez pas, je vous vous voyez parce que je suis polie et que j'ai l'âge d'être votre mère, euh, si vous ne voulez pas qu'on partage vos contenus ou qu'on les montre dans un live, il faut à ce moment-là mettre vos vidéos, puisque c'est des vidéos que vous faites et non pas des lives sur votre chaîne YouTube, il faut à ce moment-là les mettre en privé. Et seulement vos abonnés ont le droit de pouvoir les voir et non pas tout public. Après, il faut tout simplement sur votre chaîne YouTube interdire le partage. Voilà, et là vous serez dans les règles, ce que vous n'étiez pas jusque-là. De plus, vous, il n'y a rien qui vous est propre puisque vous présentez des modes qui ne vous appartiennent pas. Voilà, vous présentez à votre communauté des modes et euh, les modeurs ne euh, vous ont pas automatiquement donné la permission euh, de balancer leurs modes ou de présenter leurs modes sur votre chaîne et ce n'est pas pour autant qu'ils vous demandent des droits d'auteur. Alors, il va falloir se détendre le string parce que là, franchement, ça commence à devenir pénible euh, cette mentalité pourrie. Euh, surtout que quand on regarde votre chaîne, la façon dont vous parlez, toute mielleuse, toute gentille, comme la, les trois quarts euh, de YouTubeuses qui font des vidéos sur YouTube, euh, vous êtes très mielleuse euh, comme ça quand on parle avec vous. Euh, D'ailleurs, je vous avais contacté, moi, par contre, je vous avais contacté euh, sur votre chaîne YouTube pour vous dire qu'il y avait deux modes que vous aviez présentés qui ne fonctionnaient pas correctement. Et qui ne marchait plus depuis la mise à jour, vous m'aviez remercié de vous en informer. Deux mois plus tard, vous réagissez et vous demandez des dommages-intérêts. Euh, non, mais c'est l'école du rire, quoi. Faut arrêter. Entre les euh, l'épopée qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps où une YouTube, les youtubeurs américains se révoltent contre Electronic Arts euh, et se font menacer d'avoir leur vie ruinée par euh, les Sims euh, dits « gourous ». vous savez que j'aime pas ce terme mais bon voilà mais là une youtubeuse qui a euh, aucune personnalité je vous le dis cache parce qu'elle n'est que la copie conforme euh, d'une autre youtubeuse c'est à dire que vous prenez euh, le personnage qu'elle a tout le temps c'est exactement la même Sims à quelque chose près que cette youtubeuse qui est connue et euh, qui fait des challenges etc euh, donc, déjà, mademoiselle, si vous voulez attaquer les autres, faites-vous une chaîne perso et ne copiez pas les autres. Euh, votre façon de parler, euh, je ne sais pas si vous êtes sœur avec Claude youtubeuse, mais vos intonations, vos façons de parler, vos idées, vos machinements, etc., c'est la copie conforme d'une autre youtubeuse. Apparemment, vous avez réussi à vous faire ami avec, comme ça, vous n'avez pas de problème, mais vous permettez-vous par contre d'attaquer d'autres personnes. Alors que je vous ai simplement fait de la pub, je vous ai mentionné, votre nom est apparu. Euh, donc je ne comprends pas pourquoi même vous ne m'avez pas contacté puisque je vous avais mis un message euh, moi-même sur votre vidéo euh, pour vous signaler que deux des modes ne fonctionnaient pas. Et que j'aurais très bien pu aussi me retourner contre vous en vous disant, voilà, vous présentez des modes qui nous qui nous castagne votre, notre jeu. Et les modeurs vous ont pas donné l'autorisation, à part un seul avec qui vous, vous êtes affilié, façon de parler, euh, qui est français, mais euh, les autres euh, ne vous ont pas donné la permission d'utiliser leur mode et vous font pas chier. Donc, il y a un moment où il faut arrêter. Donc, euh, voilà. Donc, cela, c'est pourquoi, déjà, pour vous signaler ça, donc la vidéo euh, où je vous présentais les modes, « Mademoiselle, soyez contente, sautez partout, euh, prenez-vous pour une star », il n'y a pas de problème de ce côté-là. Perso, je m'en tape complètement. Euh, J'ai supprimé de moi-même la vidéo de présentation de ces modes. Par contre, euh, sincèrement, j'en ai marre de, 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 ces, de cette mentalité. Euh, donc, ce que je tenais à vous dire, c'est qu'on a en cours, on avait créé ensemble, au niveau de la communauté, on avait créé ensemble un challenge, euh, la légende d'un mythe. Donc, on va le finir, on le finira. Mais il n'y aura plus au niveau euh, de ma chaîne, en tout cas euh, sur YouTube, sur Twitch, oui, mais sur YouTube, il n'y en aura plus. Il n'y aura plus de Sims 4 euh, sur ma chaîne YouTube. Je ne, si je viens à jouer aux Sims 4 avec mes parties ou faire un challenge, euh, je le ferai sur ma chaîne Twitch, mais je ne les rebasculerai pas sur YouTube. Je n'ai plus envie du tout euh, de faire de live là-dessus, sur ce jeu-là. Euh, J'attends Paralive avec impatience. J'espère que la communauté pourrie des Sims 4 sera chez Sims4 et que Paralive euh, ouvrira des frontières à une mentalité euh, beaucoup plus nette, claire euh, et puis mature. Voilà, sur tout cela. Et mademoiselle, si j'ai un conseil à vous donner, ce n'est pas parce qu'en peu de temps euh, vous avez eu beaucoup de personnes qui se sont abonnées. Euh, surtout quand on fait que des vidéos, quand on ne fait pas de live, parce que c'est pas le nombre d'abonnés qui compte, euh, c'est surtout le nombre de vues, euh, le nombre de personnes qui s'abonnent. Euh, si vous faites un live, euh, ça se trouve vous aurez personne. Donc euh, voilà. Mais bon, ça c'est votre problème, c'est pas le mien. Mais je pense que par correction, euh, vous auriez pu me contacter directement euh, et je vous aurais, on aurait discuté ensemble. Voilà, ça s'appelle la civilité euh, et la maturité aussi. Mais bon, apparemment, c'est pas dans vos valeurs. Euh, vous préférez voilà, essayer de gagner du pognon sur le dos des autres. Ouais, très bas, très bas, très bas. Donc, il n'y a pas de problème de mon côté. Euh, votre vid euh, ma vidéo a été supprimée. Donc, euh, l'affaire est réglée. Donc, je tenais simplement à informer ma communauté de ce petit problème. Je ne citerai pas de nom. Euh, mais ceux qui, avaient, qui suivent les lives euh, vont vite savoir de qui je parle de toute façon. Je vais basculer par contre ce live sans problème euh, sur YouTube euh, pour montrer un petit peu la mentalité des Sims 4. Mais ça, euh, il y a longtemps que sur Twitch, en tout cas, euh, les streamers de Twitch ont compris puisque tous ceux qui streamaient sur les Sims 4 ont arrêté. Ont arrêté par rapport à cette mentalité, par rapport au fait de venir se faire agresser non-stop sur des lives. Euh, mais tout ça, on en avait déjà parlé, on ne va pas épiloguer. Donc voilà, je tenais juste à vous informer de cela. Donc on finira le challenge euh, ensemble euh, sur les Sims 4, euh, du challenge que j'ai fait qui est euh, la vengeance d'un mythe hein, suite à la sortie du pack Il Paradisiaque. Mais par la suite, je suis désolée pour ceux qui me suivent sur YouTube pour les Sims 4. Et il n'y aura plus de Sims 4 euh, basculé en tout cas sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous voulez voir du Sims 4 avec moi au niveau des challenges, pour les challenges que je trouve au niveau de l'étranger ou autre et qui ne sont pas très connus, euh, bah, ce sera sur ma chaîne Twitch, mais je ne les basculerai plus sur ma chaîne YouTube. Voilà, sur ce, ben, je vais vous laisser parce que je n'ai pas envie d'épiloguer trois plombes là-dessus. Mademoiselle, je vous souhaite bon courage sur votre chaîne. Euh, Détendez-vous le string parce que là, franchement, vous êtes un petit peu coincé du bubble et il faut arrêter pour se, de se prendre pour une star hein, parce que les droits d'auteur, euh, voilà quoi. Euh, même des grosses stars, quand on met leur chanson, euh, font moins de problèmes que vous qui n'êtes qu'une toute petite YouTubeuse. Et voilà quoi, et au moins la moindre des choses aurait été de me contacter euh, en personne civilisée et mature, ce qui apparemment n'est pas, je vous le répète, dans vos valeurs. Mais enfin bon bref, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je bascule le live euh, sur euh, YouTube. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires, je m'attends bien sûr à de la haine, pas possible, et des commentaires à l'arrache et qui voilà des pouces en bas je m'en fous complètement vous marquerez ce que vous voudrez je les lirai tous je vous répondrai il n'y a pas de problème mais euh, ne me demandez pas en privé qui est la youtubeuse je ne vous donnerai pas le nom euh, je n'ai pas envie de rentrer dans ce genre de délire d'école maternelle mais voilà donc euh, voilà l'info était surtout que ben, je suis désolée mais au niveau de youtube de ceux qui me suivent sur youtube il n'y aura plus euh, de Sims 4. Donc, euh, si vous voulez me voir sur les Sims 4, ce sera sur Twitch. Voilà, je vous fais plein de gros bisous en tout cas. Euh, et je vous dis à très vite pour un prochain live. Bye bye.